tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait super, super, super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je pense un mois et demi, deux mois. Ça coïncide notamment avec le départ de ma mère qui est rentrée au Cameroun après avoir passé trois mois avec moi ici. Donc, je reviens aujourd'hui. Je vous avais demandé c'était quoi les différents sujets que vous vouliez que j'aborde. Et un notamment a retenu mon attention. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler du passeport vaccinal ou la polémique du vaccin, de la COVID et éventuellement pour les entrées au Canada ou les sorties du Canada, etc. Donc, depuis, nous sommes rendus au mois de mai. Je pense que ça fait deux mois ou un mois et demi qu'on avait commencé les vaccins pour les personnes travaillant dans le secteur de la santé, donc les travailleurs en première ligne, ensuite les personnes âgées. C'était à ça qu'étaient circonscrits les phases du vaccin. Puis depuis peu, je pense depuis deux semaines, on a ouvert donc le vaccin à toute la population et différentes tranches d'âge. Donc actuellement dans ma région, ça rentre dans ma tranche d'âge et celle de mon mari, donc éventuellement, pas éventuellement. Donc nous allons nous faire vacciner en date du 2 juin prochain. Donc en général pour les citoyens et je pense pour les résidents permanents, ça se passe très facilement. Tu vas sur le site du gouvernement, puis tu tapes vaccin COVID, puis tu vois les différents sites en fonction de la région où tu es et tu vois les différentes dates et les différentes plages horaires disponibles pour pouvoir booker ton rendez-vous pour faire un vaccin. Tu rentres les informations de carte d'assurance maladie. Une fois que c'est fait sur ton téléphone, tu reçois une confirmation que ton rendez-vous est fait à tel endroit et à telle heure tu dois te présenter pour la première dose du vaccin. Bon, il y avait encore une autre polémique aussi sur, en fait, quel vaccin prendre. Il y a Pfizer d'un côté et puis on avait AstraZeneca de l'autre côté. Donc, je ne cache pas que moi, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux vaccins. Mais bon, vu que mon mari travaille dans le pharmaceutique, il a décidé que nous, on va faire Pfizer. Parce que Pfizer, à date, était celui qui est le plus, le plus évolué dans les vaccins. Donc, maintenant, la question du passeport vaccinal. Passeport, comme vous l'entendez, c'est que ça te donne le droit de pouvoir entrer et sortir. Donc, le passeport vaccinal, en fait, serait comme un document ou un certificat que tu présentes qui prouve que tu as été vacciné et qui donc te donnerait la possibilité d'aller et venir dans certains endroits, dans certains pays et whatever else. Donc comme je le disais, actuellement dans le Canada, hein, je pense, en tout cas, je vais quand même rester que sur le Québec. Je préfère m'astreindre au Québec. Donc en ce moment, on est en pleine campagne de vaccination de la population. Et le débat, en fait, qui naît, c'est maintenant la question d'exiger ou non ce passeport vaccinal. Pourquoi j'en parle? Parce que certaines personnes m'ont demandé, est-ce que pour venir au Canada, nous, on va nous exiger donc de montrer qu'on a le vaccin? Parce que jusqu'à date, les compagnies aériennes vous exigent d'avoir un test négatif COVID pour pouvoir embarquer. Donc, la question est de savoir, est-ce que le vaccin va remplacer l'obligation d'avoir un test négatif? Est-ce que le passeport vaccinal va remplacer l'obligation de devoir passer le test COVID pour pouvoir embarquer? Et tout, et tout, et tout, et tout. Dans une optique de confinement, le passeport vaccinal peut être appréhendé comme, comment je dirais, un moyen de favoriser la relance des activités économiques parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Depuis que la pandémie a commencé et ces histoires de confinement, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est vraiment difficile. Je m'excuse si vous entendez Raphaël. Et le passeport vaccinal aussi est un meilleur moyen pour certains de contrôler les déplacements. Donc, il y aura entre autres dans les déplacements, bien sûr, comme je disais, l'autorisation de voyager qui pourrait être réservée uniquement aux individus qui ont qui disposent d'un certificat qui prouve qu'ils ont reçu le vaccin pour la COVID. Ceci dans un but de limiter la propagation du virus. Maintenant, le débat qui se pose au Canada, c'est que selon la ministre fédérale de la Santé, publique, Patricia Adjou, il est désormais admis que... Il est désormais admis qu'il faudra détenir un certificat de vaccination
ou un passeport vaccinal pour voyager à l'étranger. Ça concerne les citoyens canadiens et les résidents qui veulent sortir du Canada pour aller à l'étranger. Du moins, jusqu'à ce que la pandémie soit terminée. La même question se pose donc maintenant. Est-ce qu'on va aussi obliger les personnes qui veulent entrer au Canada de présenter un passeport vaccinal? Pour le moment, nous sommes en plein dans les débats. Donc, pour le moment, rien n'est vraiment coulé dans le béton. Les différents partis au pouvoir et l'opposition sont en train de se concerter, les pros et les contres sont en train de débattre sur la question, mais à l'heure de tout de suite, pour le moment, il n'y a encore rien qui est décidé. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, de toutes les façons, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, je vous tiendrai informé. Pour le moment, pour toute personne qui veut venir au Canada, l'obligation pour le moment avec les compagnies aériennes, c'est que vous présentiez votre test COVID négatif de 72 heures au moins pour pouvoir embarquer. Une fois qu'on va être rendu dans le passeport vaccinal, peut-être l'obligation de l'avoir. La question en fait est éthique parce que beaucoup de gens se disent que si on commence comme ça, c'est que après les gens qui ne se sont pas fait vacciner, parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas tout simplement se faire vacciner. C'est même pas seulement une histoire de vaccin contre la COVID. Il y a des gens qui n'aiment même pas les vaccins, qui combattent pour les vaccins, qui disent que les vaccins ce sont des poisons et tout 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 tout. Donc ils se voient dans l'obligation. Ou si on dit que maintenant pour entrer dans tel endroit il faut être vacciné contre la COVID, ça sera comme une sorte de discrimination. Donc il y a des questions éthiques et des questions de privation de liberté et des droits des uns et des autres. Donc bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est dans ce débat qu'ils sont ici. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial sont dans ce débat-là. Donc, passeport vaccinal, oui, ce serait une éventualité. Pour le moment, la question se pose vraiment plus du Canada vers l'extérieur. Donc, les Canadiens ou les résidents canadiens, les résidents permanents canadiens qui veulent sortir du territoire pour aller dans certains endroits qui doivent montrer le passeport vaccinal. D'ailleurs, mon beau-père et ma belle-mère qui ont l'habitude de réserver pour aller au Mexique quand c'est l'hiver, ont réservé de quoi pour le Mexique l'hiver prochain qui s'en vient. Et justement, ils ont pris les vaccins dans l'optique où le logement qu'ils ont réservé ont leur exigeant en fait d'avoir une preuve qu'ils ont pris le vaccin. Donc là, ils ont pris leur première dose. Leur deuxième dose est prévue pour incessamment. Et éventuellement, peut-être la troisième dose, ils la prendront avant de partir. Donc, il y a des coins comme ça, il y a des endroits comme ça où on va vous l'exiger. Maintenant, la question de pour le Canada, quand il y aura des changements à ce propos, ben, je vous reviendrai avec une vidéo. Donc là, je voulais simplement vous dire que le débat est lancé. Le débat est lancé. Moi, je conseillerais, même s'il y en a parmi vous qui sont à l'étranger et qui veulent venir au Canada, qui prévoient de venir au Canada et que vous avez la possibilité de faire le vaccin, yo, faites le vaccin et demandez une certification que vous avez pris le vaccin. C'est toujours mieux de l'avoir que pas du tout. Honnêtement, ça, c'est mon conseil. Donc là, la vidéo est vraiment pas super longue. C'est un début, je commence à revenir. Et donc, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous.